Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie de Benoît Lamy, directeur et fondateur du restaurant On Déguste à Senlis dans l'Oise, un restaurant qui est ouvert le 4 avril 2023 et qui propose des plats traditionnels soigneusement dressés. Benoît Lamy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, présentez-nous On Déguste. Alors, On Déguste, c'est une toute petite structure, un petit restaurant, plutôt une structure familiale que j'ai fondée avec ma femme en avril dernier, où on y retrouve 25 couverts assis, qui fait de la vente à emporter et qui fait la part belle à tous les bons producteurs et au terroir français. Vous avez ouvert il y a quelques mois, donc au mois d'avril. Vous avez réussi à vous faire connaître autour de vous ? Oui, on avait monté un storytelling pendant 6 mois avant l'ouverture, racontant l'histoire de l'aventure qu'on allait mener. Et puis, on a développé les réseaux sociaux. Ma femme étant journaliste de formation, on a travaillé énormément sur la communication numérique. C'est plusieurs reconversions pour vous. Ah, c'est une nouvelle reconversion, effectivement. Après avoir appris la cuisine il y a 20 ans, j'ai travaillé dans le commerce pendant 10 ans, 20 ans en politique, et je suis retourné à mes premières amours en mettant du sens dans ce que je fais maintenant. Est-ce que vous avez fait un véritable effort de sourcing ? Oui, le sourcing, oui, puisque on propose des produits qui viennent de Bayonne en direct chez les fournisseurs, par exemple pour des jambons, on prend des huîtres à Cancale chez un fournisseur bien connu qui s'appelle Cahu, qui est quelqu'un qui a eu une médaille d'or au concours agricole. Donc oui, le sourcing, c'est en permanence et je ne fais que ça. Vous êtes chef, comment vous est venue l'idée d'ouvrir votre propre restaurant ? L'idée m'est venue en regardant un peu ce qui se passait autour de nous et en se disant que la malbouffe l'emportait énormément. Et puis, comme tout le monde, on a eu le Covid et là, on s'est rendu compte tout ce que fabriquer et cuisiner chez soi, c'était facile et que économiquement, ça pouvait être rentable. Et donc, voilà pourquoi l'idée est sortie de terre. Bien manger, est-ce que c'est accessible à tous ? Oui, pour moi, oui. En fait, il suffit simplement de bien manger quand il le faut. Alors, la viande, pas tout le temps, le poisson, pas tout le temps, et on peut économiquement s'en sortir. Moi, je sais que sur un panier, un repas moyen, à 25-30 euros, vous avez entrée, plat, dessert chez moi avec des produits de première qualité et transformés sur place. Alors, justement, des ingrédients de qualité, c'est quoi ? C'est bio, c'est local, c'est fait maison, c'est quoi ? C'est pas nécessairement bio, parce que le bio, on retrouve du très mauvais bio qui vient d'Espagne et du très bon bio qui est inabordable économiquement chez nous. C'est juste faire confiance aux producteurs et bien connaître la méthode de production. Après, on peut bien manger et sainement. Et trouver des bons vins, c'est bon et abordable, c'est un casse-tête ou c'est assez facile ? Comment vous fournissez-vous ? Moi, c'est assez facile puisque je travaille avec une jeune œnologue qui a une trentaine d'années, une société qui s'appelle Bienbus et Julia. Et on ne travaille que des vins bio nature et qui sont très méconnus du grand public. Et des vins français surtout ? Que des vins français, exclusivement français. Le financement participatif pour réaliser un rêve, c'était une bonne idée selon vous ? Ouais, c'était une bonne idée, c'était surtout aussi pour faire parler de nous, parce que économiquement, nous, le business plan était déjà monté, et en fait, ça nous a permis d'aller chercher de l'immobilier et de le faire revivre au même titre qu'on fait vivre le patrimoine culinaire. Justement, vous avez meublé votre restaurant avec de l'upcycling, expliquez-nous. On a été rechercher des tables qui avaient servi il y a 60 ans dans l'Oise, dans un restaurant, dans une brocante à Épinay. On est allé chercher des chaises de bistrot dans un bistrot à Laval qui avait fermé. Le bar vient de Normandie. Enfin voilà, on a pris que des meubles qu'on a remis au goût du jour. Merci beaucoup Benoît Lamy, directeur et fondateur du restaurant On Déguste à Senlis dans l'Oise. Merci à vous et je vous invite, vous venez dîner et déjeuner quand vous voulez. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci, au revoir. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.